dans son tracker. Et il manque ça aussi, il manque plein de trucs. Oui. Je crois que ça faut bien le mettre. Dis-lui au revoir, dis-lui au revoir, salut. Ouais, un message si ça devrait, si vous retrouvez cette vidéo, surtout renvoyez-nous le. Vous avez vu comment on a galéré, donc s'il vous plaît. Bon allez, 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh la vitesse, ça c'est bizarre. Hein. Là normalement ouais, il doit être haut, ouais. Voilà, il est là, c'est la pile, là ouais. Ah ouais. Bon bah c'est parti alors. Il est déjà bien barré, il est là, là. Donc là il est là. Il était là. Dis-moi où est-ce qu'il est. Bah Sartrouville, pile dessus Sartrouville. Bon, on pourrait peut-être même le voir.
est juste à côté. Il est à Chevreuse. On est là, on attrape. On attrape. Bon bah c'est cool hein. Allez, on est reparti. Ah, elle est défoncée la caméra. Ah merde. Mais c'est à l'atterrissage. Non, mais c'est pas grave. On a atterri à 50 mètres de l'autoroute. Allez, on ouvre le paquet cadeau. En fait, il s'est emmêlé, hein. Ah ouais, bah. Ah bah oui, ça va lui faire des combis. La petite GPS, elle a bien plu, non? Ouais. Donc voilà. Ah, la GoPro s'est arrêtée par contre. Ah oh, merde. Plus de batterie sans doute. Ah, si, c'est... Mais l'atterrissage, là, c'est plus de batterie. Ouais, il n'y a plus de batterie, ouais. Ah, après, ouais. L'atterrissage, on l'a. Bon voilà, tout a dû. Elle est encore chaude la chaufferette. Ouais, ouais. Elle est encore chaude. Ouais. Oui. Regarde, le GPS, il capte toujours. Hein. Ouais. De la vidéo présentera tout l'aspect technique du projet ainsi que toutes les anecdotes qu'on a pu avoir pendant le vol. Je m'adresse donc aux personnes qui souhaitent en savoir plus. Alors je vais séparer cette vidéo en quatre. Alors tout d'abord la conception de la nacelle, deuxièmement la partie électronique embarquée, troisièmement la partie logicielle avec le décodage des données radio et le matériel de réception. Et la quatrième partie, les anecdotes de la journée et toutes les galères qu'on a pu avoir. Parce que sur la vidéo, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. On a eu pas mal de galères. On garde ça en souvenir, hein. Donc pour la nacelle, il s'agit de planches de polystyrène que j'ai découpées et recouvertes d'une couverture de survie pour garder la chaleur à l'intérieur. Il y avait aussi une chaufferette pour garder l'électronique à bonne température. D'après les données reçues, voilà les courbes de température que j'ai pu obtenir. Donc on peut voir en rouge la température extérieure de la nacelle et en bleu la température intérieure de la nacelle. Donc c'est on peut voir toute la durée de vol, donc le décollage jusqu'à l'atterrissage. Quand la température approche les moins 60 degrés, on peut voir que grâce à la chaufferette et l'isolation, et bah, la température interne descend à peine en dessous de zéro. Donc pour ça, ça a été très efficace. Ensuite, sur la nacelle, elle est aussi équipée d'une antenne radio entourée dans de la mousse ici pour augmenter la portée des transmissions. Donc un ressort ici, connecteur BNC, et aussi pour les images, ici il y a de quoi accueillir une GoPro qui vient comme ça. La partie électronique est basée sur un microcontrôleur Arduino Nano et elle est connectée à cette carte électronique que j'ai réalisée.
il y a différents capteurs. Donc il y a deux capteurs de température. Un, celui avec une rallonge pour aller mesurer la température extérieure de la nacelle. Et un autre, qu'on ne voit pas très bien, qui est qu'on ne voit pas du tout même, qui est fixé au niveau de la carte électronique pour mesurer la température intérieure. Ici, un GPS avec son antenne active. Voilà. Ça nous permettait donc de recevoir les données longitude, latitude en temps réel. Il y a aussi un deuxième GPS. Donc c'est un tracker qui fonctionne via le réseau GSM. On place une carte SIM à l'intérieur et il nous renvoie les coordonnées GPS par SMS. Donc l'inconvénient de ce GPS là, c'est que son altitude de fonctionnement max est limitée à 18 km. Inconvénient que l'autre GPS, donc celui-là, n'a pas. Le problème des transmissions radio, c'est qu'elle chute à une centaine de mètres s'il y a des obstacles entre nous et la nacelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre la nacelle avec ce GPS-là quand il est en l'air et utiliser ce GPS-là une fois que la nacelle est au sol. Ici, il y a un capteur de pression différentielle, c'est-à-dire qu'il mesure la différence de pression entre ces deux entrées. Ici, l'idée, c'était de boucher un des tuyaux au sol pour permettre de comparer la pression emprisonnée dans le tuyau et à l'extérieur de la nacelle. Sauf que en théorie l'idée était bonne, mais dans la programmation du capteur il y a eu une erreur et les données de pression envoyées étaient complètement erronées. C'est à dire que à un moment on avait une pression négative, donc complètement impossible. Donc toutes ces données sont envoyées au sol via le module radio NTX2 ici. Il est connecté à l'antenne de la nacelle via le connecteur BNC. Comme ça. Hop, je vais y arriver. Comme ceci. En plus d'être envoyé par radio, au cas où, toutes les données sont enregistrées sur une carte mémoire ici, donc une carte micro SD. Voilà. Ça enregistre sur un fichier texte toutes les données des différents capteurs. Pour la troisième partie, le logiciel et les matériels utilisés pour recevoir en temps réel les coordonnées GPS. Donc une antenne Yagi 434 MHz. Donc on l'avait dans la voiture et elle dépassait un peu du toit. Ça donnait un style un peu étrange. Les gens nous regardaient bizarrement en général. L'antenne est connectée à un récepteur radio Jupiteru. Et la sortie audio de la radio est reliée à l'entrée micro du PC. Et après, avec le logiciel FLDJ, on peut décoder les transmissions envoyées par le module radio. Donc là, le logiciel est déjà préconfiguré pour décoder les données. Voilà le type de tram qu'on recevait. Donc l'heure, la position, latitude, longitude, l'altitude donnée par le GPS, la pression, l'altitude calculée via la pression, la température intérieure et la température extérieure. Et pour finir, je vais un peu vous raconter quelques anecdotes et galères qu'on a eues pendant la journée. Alors tout d'abord, la première galère qu'on a eue, c'est au moment de la recherche au sol de la nacelle. On a bien reçu un SMS du tracker comme prévu, sauf qu'il nous disait GPS off, c'est-à-dire qu'il captait bien les réseaux téléphoniques, mais il ne captait pas de GPS. Et le temps qu'il trouve un signal GPS a duré 4 heures. Donc pendant 4 heures, on a tourné en rond, on a sillonné la campagne au hasard, en espérant l'apercevoir au milieu d'un champ.
On a enfin reçu les coordonnées GPS du point de chute. Sauf que, eh oui, il s'est encore passé quelque chose, ça aurait été trop facile sinon. Quand on est arrivé à côté du champ, on a tout de suite aperçu quelque chose de brillant au milieu. On s'est rué dessus, mais en fait, c'était juste un poney rose gonflable qui s'était échoué là. Au final, on l'a bien retrouvé, même après toutes ces galères. Les projets pour la suite, ça serait un deuxième ballon sonde, une version améliorée, sans défaut, surtout avec une extension de batterie pour la GoPro, parce que c'était dommage de ne pas avoir l'altitude maximum et la descente. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, et à vous abonner pour suivre les prochains projets qui sortiront d'ici quelques mois.